entre dans la catégorie des personnes à ton arrivée au Canada, de ceux-là qui refusent de mettre toute la faute sur le gouvernement. Je te le dis, peut-être tu ne comprends pas ça si tu es encore en Afrique ou dans les Caraïbes, ou bien si tu viens nouvellement d'arriver au Canada. Mais quand tu es une personne qui travaille depuis un bout au Canada, ou bien que tu es un parent, ou que vous êtes un couple et que vous êtes en train de cotiser vos REER, vous cotisez pour ceci, vous payez des taxes ici, vous payez des taxes cela, quelque part tu te poses des questions sur le fait que, mais on fait quoi avec mon argent en fait, ok? Ah, mais le gouvernement, est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils font pas ça? Est-ce que le gouvernement, le domaine de la santé, j'attends 8 heures et le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement. Fait qu'en fait, ça devient que tout ce qu'on vit, ok, c'est la faute du gouvernement. C'est ce que ça va devenir. Et je ne suis pas totalement d'accord avec pourquoi, parce que chacun d'entre nous aussi, quand on voit qu'il y a une situation qui n'est pas correcte, on essaie de trouver des voies et moyens pour s'en sortir. Oui, peut-être que le gouvernement faillit dans certains points, mais je ne peux pas dire que ma vie va dépendre entièrement des décisions que le gouvernement va prendre. Ça pour moi, c'est irresponsable. Le gouvernement fait sa part, ok? Que ce soit bon ou mauvais, mais de mon côté, quand je vois ce qui est proposé par le gouvernement, ben je prends aussi je prends des dispositions pour me donner la vie que je veux me donner. Donc, je répète encore, arriver ici, n'entre pas dans la victimisation, dans le fait que tu pointes à chaque fois du doigt, quand tu as des problèmes, le gouvernement. Oui, n'entre pas dans ça parce que, je veux dire, la majeure partie d'entre nous ici au Québec, on est dans ça. La majeure partie d'entre nous ici au Canada, on est dans ça. À tort ou à raison, je ne sais pas. Mais moi, je m'intéresse à ta personne, toi qui écoutes ma vidéo. Prends-toi au sérieux. Sois responsable de ta propre personne. Parce que si tu n'es pas responsable de ta propre personne et que tu es toujours en train de trouver des voies et moyens pour accuser le gouvernement, ce qui risque d'arriver, c'est que le temps va passer, mais ça ne va pas changer. Ou bien ça va changer tardivement. Mais tellement tu n'as pas pris soin de toi, tu attendais que le gouvernement réagisse, que ta vie passe comme ça. Ta vie va passer comme ça, tu ne vas rien accomplir parce que tu attendais que genre le premier ministre du Québec prenne une décision, le premier ministre du Canada, le premier ministre du Canada prenne une décision, que le maire de ta ville prenne une décision, que le député de ta ville prenne une décision. Fait que ta vie dépend des décisions du maire, du premier ministre. C'est pas normal. Je dis bien, même si c'est fondé ce que tu as comme crainte, comme peur, comme difficulté, tu ne peux pas mettre toute ta destinée sur le gouvernement. Moi, je trouve que c'est irresponsable. Je te prends un exemple. Moi, je te prends un exemple. Moi, par exemple, bien avant que je ne puisse avoir des enfants, quand j'avais un bobo, je ne me sentais pas bien et que je savais pertinemment que si je m'en vais, par exemple, à l'hôpital, je vais attendre 8 heures de temps, ben, j'avais toujours des économies à côté. De telle enseigne que quand je ne me sens pas bien, ben je m'en vais dans une clinique privée, par exemple. OK? Je sais qu'à la clinique privée, je vais attendre genre max 5 minutes. On va me recevoir. Ça, c'est comme ça que moi, je me suis adapté. Ça ne veut pas dire que toi aussi, tu dois faire comme ça, mais je te donne juste une idée du fait que quand tu vois un peu où on a comme quelque chose à améliorer dans ta province. OK? Ou au Canada de façon générale, mais trouve des voies et moyens en attendant que les choses changent. Parce que quand on se plaint comme ça, le gouvernement, peut-être que le fait qu'ils entendent, ça va prendre peut-être du temps pour que ça se manifeste, ça se réalise. Mais toi, ta vie, où en es-tu? Ta vie va où? Ta vie va stagner en attendant que le gouvernement décide. Ta vie va faire comment? Ta vie avance comment? Comment tu peux mettre toute ta vie, toute ta destinée, tout ton destin sur le gouvernement? Je ne comprends pas ça. À un moment donné, il faut qu'on se prenne au sérieux. On ne peut pas dire, le gouvernement, à un moment donné, ça va devenir quoi? C'est que genre, tu ne passes le temps avec ta femme parce que, genre, le gouvernement. Je veux dire, quel autre argument tu vas utiliser pour dire que c'est le gouvernement qui a fait pour pouvoir ne pas réagir, en fait? Moi, c'est dans cette optique que je ne veux pas qu'on entre dans cette victimisation continuelle pour toujours dire que c'est le gouvernement qui a fait, c'est le gouvernement justifier notre inaction à cause de l'inaction gouvernementale. Moi, je veux pas qu'on rentre dans ça. Arrête de justifier ton inaction dans ta vie à cause de l'inaction du gouvernement.
Je vais recommencer cette phrase. Arrête de justifier ton inaction personnelle dans la vie à cause de la dite inaction du gouvernement. Parce que si tu fais ça, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Peut-être qu'on crie aujourd'hui, 10 ans plus tard, le gouvernement a entendu, il fait ce que vous vouliez. Mais les 10 ans-là, tu les as perdus. Pourquoi? Parce que c'est à cause du gouvernement que ta vie n'a pas changé. Je trouve que ça, c'est extrêmement irresponsable. C'est irresponsable que ce soit les Africains qui sont au Québec, que ce soit les Québécois de souche, que ce soit les Québécois d'autres contrées ou les Canadiens. Celui qui pense comme ça, c'est irresponsable. Oui, on doit faire valoir nos droits jusqu'à ce qu'on puisse entrer en possession de ce qui nous, est dû. On fait des protestations selon la réglementation qui est mise en place par la ville, par le gouvernement et tout ça, mais on attend les fruits. Mais pendant que tu attends les fruits par rapport aux plaintes que vous faites, par rapport, comment on appelle ça? Par rapport à tout ce qui est réclamation que vous faites, mais prends ta vie en main jusqu'à ce que les choses changent. Tu ne peux pas te dire, tu ne peux pas dire que tu vas bloquer ta vie jusqu'à ce que le gouvernement décide pour prendre action. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je suis pas en train de vous critiquer, je suis pas en train de vous blâmer. J'essaie seulement de vous faire prendre conscience du fait qu'on ne peut pas tout mettre sur le gouvernement. Pour moi, agir ainsi fait preuve d'irresponsabilité et d'immaturité, en fait. Voilà. Donc, c'était cette petite vidéo que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous motiver, qu'elle va vous faire voir les choses différemment et que vous allez prendre action réellement dans votre propre vie. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.